Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma Winter Pack. Voilà, je fais le bilan. Vous savez très bien, je le fais le même jour. Mais bon, hein, on profite. C'est la reprise de l'école. Wouhou! Ça fait du bien. Donc, je vous filme la Winter Pack parce que bah, j'ai un peu commencé déjà. Donc, vu qu'on est le 8 janvier, à l'heure où je vous filme, alors que bah, ça a commencé le 22 décembre, hein, ma Winter Pack, ça marche de saison en saison, hein. Donc, je vais vous montrer donc les 15 livres illustrateurs que j'ai décidé qu'il fallait que j'aille dedans. Enfin, je sais pas trop si je parle bien français, je pense pas, hein, de toute manière. Mais voilà, je me bloque 15 trucs. Sachant que là, il y a certains illustrateurs où je vais mettre deux livres, ou c'est une catégorie de livres. Enfin, on va voir ça ensemble. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse un duo, si vous voyez qu'il y a un livre où vous comptez aller dedans dans les mois à venir. Voilà, qu'on se bloque un petit colo en duo ou autre. Donc, en premier, j'ai mis l'Atlantis. Voilà. Dana Carlson, parce que je l'ai acheté dès qu'il est sorti, mais je n'y suis toujours pas allée. Donc, ouais. Celui-ci est noté, comme ça, j'irai dedans. Je sais pas si je vais commencer par faire le couleau que je préfère dedans, c'est-à-dire les méduses. Where are you? Méduse. Là. Je sais pas. Je verrai bien ce que je fais. Et il faut que j'aille dedans et il va falloir que je le couvre aussi. Je sais plus si j'ai encore des magic covers. Je sais pas trop. Mais j'ai des livres à couvrir. Il faudrait que j'y pense. Donc l'Atlantis en numéro 1. En numéro 2, j'ai mis le bloc. Le grand bloc, grand classique. Parce que pareil, je ne suis toujours pas allée dedans. Alors qu'il y a des colos qui sont vraiment très très jolis dans celui-ci. Bah, comme dans tous les blocs, j'ai envie de vous dire, de toute manière, j'aime beaucoup le format bloc. Mais je vais pas dedans spécialement. Voilà. Bah, le format est. Voilà. C'est... Ah, ça me rappelle quelqu'un, ça. Un mélo. Donc, ouais. Je suis. Donc oui, que je m'en cale un. Prochainement. Ensuite, je me mets le Doodle Invasion de Kirby Rosan. J'en ai fait qu'un dans celui-ci. Je sais plus quand je l'avais acheté celui-ci. Mais j'aimerais bien. Là, j'ai envie d'y retourner. Donc c'est pour ça que je le mets dans ma Winter Pack. Que je voudrais y retourner. Ensuite, des marque-pages. J'ai plusieurs. J'ai mon petit nœud qui s'est défait. J'en ai plusieurs. Bah, ils sont tous entamés, mes marque-pages maintenant. Donc, mais juste continuer à les avancer. Voilà, parce que j'aime bien faire ce petit format de temps en temps. On ne pense pas forcément. Donc j'ai le. J'ai pas gardé le truc. Non, j'ai pas gardé le truc. Voilà. J'ai le mini portrait que j'aime beaucoup. J'en ai déjà fait plusieurs dans celui-ci. Donc voilà, j'ai le mini portrait. J'ai. Oh, c'est pas possible! Alors, en même temps, je les range dans mon tiroir avec mes autres bouquins. Bilan. Ça se détache. Est-ce qu'il nage encore? Je ne sais déjà plus. Donc celui-ci, c'est le bébé animaux. C'est ça? Je sais plus. Puis vu que j'ai pas gardé le bazar, et ben. Si, je crois que c'est le bébé animaux, mais tome 2. Voilà. Donc, continuez d'avancer celui-ci aussi. C'est fort chargé, on adore. Oh, on adore. Ah. Gesso noir. Le dernier que j'ai entamé, c'est celui-là. J'en ai plus d'autres.
Si j'ai le princesse, mais le princesse, je le mets pas en couleur, je le donne quand j'ai des ventes sur Vinted. Donc oui, d'ailleurs, j'en ai un. Il va falloir que je l'enlève et que je le plastifie celui-là. Hein? On va le sortir parce que sinon on va oublier de le plastifier. Voilà. Il va rester ici, mon ami. Et voilà, encore celui-ci à continuer. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai de quoi faire en marque-page aussi. Ensuite, je voudrais aller dans du Christine Caron. Il me reste deux livres à entamer pour cette illustratrice, me semble-t-il. Ça se trouve, j'en ai d'autres en placard qui ne sont pas entamés non plus. En Fairy Fantasy, je ne sais plus trop. Parce qu'il y en a, j'ai fait en PDF, donc. Mais j'aimerais bien voilà, entamer ceci. Je me prends plus la tête, je l'ai fait dans les livres maintenant. Puis basta. Il y en a marre. Donc, entamer ceci. Voilà. Ils sont trop beaux. Ah, c'est celui-là que je dois faire avec. Non, c'est pas celui-là que je dois faire avec ta. Enfin, il y en a un que je dois faire avec ta petite, celui-là, je crois. Mais bah, je sais pas si je le ferai dans celui-là ou dans le Wolf. Je verrai. Je crois qu'on a celui-là à faire, me semble-t-il. Hop. Ça. Ensuite, je me suis noté les cartes bébés animaux parce que bah, je les ai eues en cadeau. Par Mélo, ça date de quand? Il n'y a pas la date là-dessus. Je crois que c'était pour mon anniversaire. Donc voilà, allez faire une petite carte postale. Voilà. Ensuite, en numéro 7, je me suis noté Mario Labudec. Donc j'aimerais bien continuer à avancer mes. Mon Flip and Friends. Voilà. On a des trop choupis. Donc ouais. Avancer ça. Est-ce que je rachèterais du Mario Labudec? Je sais pas. J'aime bien son pack cheveux et tout, mais enfin. Je trouve pas qu'elle évolue. Enfin, je sais pas. Je trouve pas qu'il y a beaucoup d'évolution par rapport à Christine Caron, où là on voit vraiment que. Son trait s'améliore, tout ça, tout ça. Donc je sais pas si je reprendrai du Mario Labudec. Ou si je me contenterai de celui-ci, franchement. Ensuite, le chef-d'œuvre. Le Bodoni chef-d'œuvre. Parce que bah ça fait un bout de temps que j'y suis pas allée. J'y allais tous les mois avec le fil bleu, je crois que c'était. Je sais pas si c'est toujours d'actualité. Mais du moment qu'il y a eu Rafiki à faire, j'ai. Voilà. Je ne me suis pas sentie de le faire, donc je ne l'ai pas fait. Et depuis, bah, j'y suis pas retournée en fait. Donc j'aimerais bien le reprendre un peu. J'en ai combien de faits du coup dedans? J'en ai un. Ça colle là, non? Non. Non. Deux. Trois. Quatre. Ouais. J'ai fait 4 mois. Voilà. Donc, ouais, m'en choisir un et. Ah, Bella, bonjour. C'est un Bodoni que j'aime beaucoup aussi, celui-ci. Donc, ouais, retourner dans celui-ci. Ensuite, je me suis noté du Deria Karsika Sakirzoï. Vas-y, moquez-vous. Donc, il me reste ces deux-ci à entamer. Je pense que tous les autres, c'est bon. Je pense. Donc, ça prend pas trop de temps en plus. Voilà. J'en ferai sûrement en live, je pense. Mais il me reste ces deux-ci à entamer. Ensuite, je voudrais faire un mystère. Voilà.
J'aime bien m'en caler un de temps en temps. Du coup, je me suis sorti le Princesse. J'avais juste fait Ariel dedans. Et peut-être non, Raya, c'est pas dans celui-là. Ah non, sur le rayon, tu vois. Je me souvenais plus. Mais donc voilà. Peut-être retourner dans celui-ci. Ou le Love Story. Je sais que j'en ai fait qu'un. Voilà, celui-ci. Donc, mais bon, ils sont un peu plus compliqués que. Enfin, complexes que les autres. Il y a vraiment des toutes petites zones et. Déjà des zones coloriées en plus. Donc. Mais ouais, il faudrait que je retourne dans ceci. Sinon, bah, j'en ai plein d'autres. Hein. J'ai le vilain aussi. Non, le méchant. Mais pareil, petite zone. J'en ai plein de mystères à avancer. Donc. Je sais pas lequel ce sera, mais il y aura du mystère. Normalement. Je me suis surnoté les matchsticks. Parce que bah, j'ai toujours pas été. Donc il faut vraiment que je me les imprime. Voilà. Là, en plus, je me suis acheté une cartouche ce matin. Je vais essayer de m'imprimer ça. M'imprimer les matchsticks. Mais bon, du coup, bah, quand même, on a 4. Et je sais pas dans quoi je vais les mettre. Mais voilà, faut que je me les imprime parce que bon, j'ai pas envie de les faire sur ce papier-là. Vraiment. Je vais revendre je vais les revendre et je les ferai en PDF. Parce que j'ai vraiment envie de pouvoir faire un peu d'aquarelle ou quoi dans le fond. Bon, j'ai ceci et j'en ai d'autres sous bras, ne vous inquiétez pas. Après les matchsticks, je me suis noté celui-ci qui n'est toujours pas entamé, que j'avais acheté d'occasion. Mais si jamais vous le cherchez, il est disponible chez Normal. Si vous avez ce type de magasin par chez vous. Je sais qu'à Amiens, il y en a un. Donc Normal. Et vous les avez à 12 euros, je crois, 12 ou 8 euros, je crois, le livre. Donc foncez si vous ne l'avez pas. Moi, voilà, je le voulais et il n'était plus disponible. Et bah voilà, je l'ai trouvé pour. Je l'ai pas eu très cher sur Vinted. Donc voilà. Donc, j'aimerais bien commencer bah, celui-ci. Ça va être un sacré boulot. Mais voilà. J'aimerais bien m'y mettre. Ce qui est trop beau. N'est-ce pas Mickey dans un coin. Ok? Donc Mickey. Ensuite, en numéro 13, je me suis noté donc, le Mermaid de Mermaid Legends. Anastasia et l'école d'Areva parce que c'est le dernier que j'ai entamé. Voilà. Lui faire un collier style avec l'épingle de Sébastien là. Puis elle la faire en mode Ariel. Voilà. Ariel a tué Sébastien. C'est pas grave. Mais voilà. Mais oui, faire une petite sirène. Voili, voilou. Ensuite, je me suis notée asiatique. Donc, voilà. J'ai plusieurs livres asiatiques. J'en ai sorti 3, mais j'irai peut-être dans un autre. J'ai celui-ci, les petites filles. Je sais plus. Je sais plus. Mais bon, voilà. J'aimerais bien retourner dans celui-ci. J'en ai fait 2. J'ai fait celui-ci et j'ai fait Sabrina au fond. Voilà, celle-ci. Donc j'aimerais bien retourner dedans. Donc, le fameux Girl with Poem. Il faudrait que je me commande quand même le deuxième. Je l'ai en PDF. Peut-être que je me commande le deuxième. J'avais fait celui-ci. J'y retourne et dernièrement je me suis commandé celui. C'est un gros bébé, hein, clairement. Voilà. Donc pareil, il faudrait que je l'entame, que je me fasse un petit peu plaisir avec l'aquarelle. Que je n'ai pas peur d'y aller. Voilà. Donc je me suis noté ça, mais je sais que j'ai le Flower and Power. Le Flower and Girl. C'est ça? Enfin, j'en ai d'autres de livres asiatiques, donc je verrai dans lequel l'envie.
Et sur le moment. Et en numéro 15, je me suis mis le Bodoni méchant, vilain. On ne sait jamais trop comment l'appeler. Normalement, c'est méchant. Hein, c'est écrit méchant là. Donc, j'aimerais bien retourner dans celui-ci vu que je suis allée. Bah, je l'ai fait quand celui-là? Je l'ai fait quand? Je l'ai pas fait il y a longtemps. Donc, parce que dans mon histoire éternelle, je suis à 4. Je sais plus. Enfin, j'essaye toujours d'être à peu près au même nombre de colos dans les deux, vu que je les ai eus à peu près en même temps. Et j'essaye de les avancer. J'avais fait celle-ci. Et du coup, j'avais fait celui-là. Mais ça me paraît pas si vieux que ça. Ben, je sais plus. Il me semble que je l'avais fait en live aussi, celui-là. Enfin, en partie, me semble-t-il. Mais voilà, retourner dans celui-là. Parce qu'il est bio. Voilà, bien entendu. Donc, ouais. Je me souvenais plus de Scar. Arrive. Ça arrive souvent avec moi. Donc, voilà pour le 15e. Objectif, voilà, pour ma Winter Pack, on verra bien si j'y arrive aussi bien que la l'Autumn Pack. De toute façon, je me prends pas la tête, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive pas, franchement, nos prises de tête. Voilà, je colo ce que j'ai envie de colo de toute manière, la plupart du temps, même quand je vous fais des roulettes sur Twitch, même si c'est vous qui choisissez la roulette, c'est moi qui vais finir par choisir le colo de toute manière, donc voilà. Même si voilà, ça sera vous l'auriez orienté, c'est quand même moi qui vais choisir le colo au final, où je vais vous donner trois colos que j'aimerais bien faire et vous allez choisir. Mais ça sera quand même, j'aurai quand même envie de le faire. Ça sera pas, je me forcerai pas en fait. C'est ça le truc, c'est vraiment pas ça que je vise. C'est pas un truc non, parce que au début j'avais mis tu choisis mon colo machin. Et ça a été l'Atlantide. Et du coup, pas l'Atlantide, vous voyez, il est toujours pas fini. Il est toujours au même point. J'ai un tout petit peu avancé, mais il est là-bas au fond. Voilà, il est bien. Faudrait que je le reprenne de temps en temps. Mais bon, j'attendais de re-ranger mon bureau. Et là, chose faite, mon bureau est rangé. Donc, je pourrais peut-être m'y remettre prochainement. Mais c'est pas. Je me mets pas la pression pour ça, mais vraiment pas. Moi, c'est vraiment le colo. Voilà, je colo quand j'ai envie de colo. Je colo ce que j'ai envie de colo. Voilà. Même si, normalement, j'alterne entre Disney et hors Disney. Là, dernièrement, je ne l'ai vraiment pas fait. J'ai enchaîné trois Disney, je crois. Bref. Voilà. Ne me tapez pas. C'est comme ça. Mais c'est pour moi essayer d'avancer. À peu près au même rythme mes bouquins, même si je sais que j'ai plus de Disney, me semble-t-il, que de hors Disney. Même si ça c'est à vérifier parce que je sais pas dernièrement où j'en suis dans cette liste-là. Je sais même pas si c'est vraiment à jour, mais ma collection, voilà, elle n'arrête pas de, enfin, plus augmenter que. Mais bon, c'est comme ça. Je fais ce que je veux avec mon argent, d'accord. Là, j'ai encore mis quelques trucs dans ma Wish. Non, je sais que ce matin encore à Leclerc, j'ai regardé s'il y avait les deux derniers Atelier Teens et bah ils n'y étaient pas. Donc c'est le destin. Je les aurai quand je les aurai. Mais non, ils n'étaient pas disponibles. Enfin, ils n'ont pas les nouveautés. Enfin, c'est pas un Leclerc culturel, hein, donc clairement. La dernière fois que j'en avais eu à la sortie, j'avais eu de la chance en fait. Mais c'est pas grave, ils arriveront dans ma colothèque quand je les trouverai, c'est tout. Je vais pas aller courir au magasin pour aller faire je sais pas combien de kilomètres pour les avoir ou commander sur Amazon pour avoir je sais pas combien de frais de port. Enfin bon, bref, je les aurai quand je les aurai, c'est pas grave. Il y a ça. Et je me suis fait un petit panier sur Amazon Japan aussi. Donc voilà. Je suis faible en ce moment. Mais c'est comme ça.
Il y a des mois où j'achète beaucoup moins, où j'achète pas du tout. Et là, j'ai là, le mois de décembre, j'ai fait surtout plaisir aux copines. J'ai envie de dire, voilà, j'aime bien être la mère Noël, j'aime bien faire plaisir plus que de me faire plaisir, en fait. C'est souvent comme ça avec moi. Je fais souvent passer les autres avant moi. Là, vous voyez, je suis sur une chaise de cuisine. Voilà. Mon fauteuil m'a. Voilà, j'ai des déboires avec mes fauteuils. Voilà, j'ai vraiment pas de chance. Le dernier faisait que monter, descendre. Enfin, plus descendre que monter. Celui-là, il a décidé de plus me supporter. Mais bon, en même temps, j'ai acheté un. Voilà, j'ai voulu faire confiance à AliExpress. Je n'aurais pas dû. Voilà. Pour les achats de ce type, non. Non. Déjà que j'avais. Je suis pas tombée sur un bon vendeur, déjà, de base. Il manquait la moitié de mes trucs à la livraison. Donc, voilà. Bon, je me suis recommandé un fauteuil, on verra bien ce que dit le prochain. Je me suis pris un truc ergonomique, on verra bien. Mais quand même girly parce qu'il faut pas pousser. Donc je suis censée le recevoir quand? On est 8, normalement aux alentours du 12, ça devrait arriver. On verra bien. Conforama, ça devrait être quand même. On verra bien, on sait jamais. Et là, je viens de m'apercevoir que j'ai mis mon pull à l'envers. Voilà. On se dit tout. Voilà. Ce matin, c'était compliqué. C'est la rentrée. Voilà, fallait se dépêcher. Moi, je vais aller manger, arrêter mes conneries et puis remettre mon pull à l'endroit du coup. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'en ai plusieurs à vous tourner, dont le bureau tour. Enfin, je sais pas trop dans quel ordre ça va venir. J'ai encore pas mal de présentations à faire. Vous avez encore des replays à avoir parce que je n'y suis pas arrivée à vous mettre tous les replays que j'avais de retard. Je ne voulais pas vous non plus enfin, en mettre plusieurs par jour. J'essaie déjà en mettre un à peu près tous les jours, mais ça a été encore compliqué. Vous en avez juste eu deux pour un jour parce que bah, c'était il y avait le matin et l'après-midi où j'avais streamé, donc forcément j'ai voulu vous mettre sur la même journée aussi. Enfin bon bref. Je fais comme je veux. Désolée si je vous étouffe avec mes replays de toute manière, vous n'êtes pas obligé de les regarder. Hein, je vous oblige à rien. Mais bon, je ne veux pas les perdre en fait, parce qu'ils disparaissent au bout d'un certain temps sur Twitch. Donc c'est pour pas les perdre au cas où. Voilà. Avoir des traces. Vu que j'ai pas de mémoire. Voilà. Je vous fais des bisous. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez un livre où vous voulez aller, et voilà. N'hésitez pas à me proposer des duos. Ça sera avec grand plaisir. Voilà. Je vous fais des bisous. Encore une fois. Plein de bisous, quoi. Ciao.